Eh bien, salut tout le monde, c'est Mash, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi les amis, je pète la forme aujourd'hui. On se retrouve sur Minecraft pour un nouvel épisode Skyblock dans lequel on va faire un peu de déco. Parce que voilà, j'étais en train de décorer l'île et puis je me suis dit, bah en fait, tu sais quoi, Mash, vas-y, lance un record, fais péter, on se met bien. Donc voilà, donc en fait, du coup, le petit réaménagement, c'est tout simplement donc un encadrement déjà que j'ai fait un peu en antenne de bois de sapin pour le champ de pastèque, plus ou moins. Entouré ensuite à la place donc des planches de bois de sapin traditionnel, ben par de la grasse et de la dirt. Étant donné que j'étais un peu en déj, je me suis acheté que de la dirt. Comme ça coûte moins cher. Et c'est ce qu'on va continuer. Et ensuite, on va également créer un petit accès par ici pour mener vers notre petit farm à Kakutus. Et pour faire quelque chose de plus réaliste, hein, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, la machine a bien tourné, elle a bien tourné. Autre nouveauté, les amis, que j'ai oublié de vous préciser et dont je me suis trompé hors antenne. Ici, ce n'est pas un dispenser qu'il faut placer, les gens, pour la machine à poulet, mais un dropper. Parce que sinon, si vous mettez un dispenser, d'accord, effectivement, tous les objets que j'ai pu tester se faisaient dropper, enfin, se faisaient lancer. Mais l'œuf de poule, si vous êtes dans un distributeur et qu'il se fait lancer, il est clos. Et c'est pas le but. Le but, c'est de récupérer cette douce valeur qu'est l'œuf. Ce fameux précieux... Oh, il y en a plein. Bon, on va les laisser là en attendant, on n'en a pas besoin tout de suite. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a énormément de poules d'un coup par rapport à ce qu'il y avait dans l'autre épisode. Il y en a 30 partout, hein. C'est vérifié, logiquement c'est compté, c'est pesé. J'ai dépensé tous mes French Coins, j'en ai plus. Enfin, j'en ai plus. J'en ai regagné beaucoup, puisque je suis à 429 000, j'étais à 700 000. J'avais tout perdu quasiment, j'avais dépensé 700 000 French Coins pour acheter les œufs, hein, les fameux œufs qui sont là, 3000 l'œuf. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez conséquent comme prix, mais bon. C'était un sacrifice à prendre. On n'avait pas le choix. Donc voilà, j'ai dit, c'est pas grave, on va le faire. Alors pareil, j'ai fait un petit peu de déco en rantaine au niveau de la salle des coffres. Alors je vais aller vous montrer ça tout de suite. J'ai un peu modifié l'île. Donc comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus mastoc. Elle est pas forcément plus jolie, mais la structure change pas mal. Et ça me plaît déjà un peu plus par rapport à avant. Dans le sens où avant c'était tout plat, c'était tout pas très beau. Maintenant c'est un peu plus beau, mais c'est pas toujours très beau, mais voilà. Et j'ai fait cette lampe de lancement, qui va nous permettre de sauter d'île en île pour atterrir quelque part par ici un peu plus bas. Et éventuellement continuer notre périlleux saut jusqu'à notre machine à poulet. Ou bien alors on va faire juste une île qui va nous déposer ici. Et quelque part par là on fera un trou dans le sol. Excusez-moi petit bâillement. Qui nous permettra de sauter vers une autre île, qui nous amènera vers une autre île, et jusqu'à la machine à poulet. Donc ça, après, voilà, on verra encore toujours par la suite, parce que pour mon temps que j'ai le fly, tout va bien, et je suis pas prêt de ne plus l'avoir, donc c'est une bonne nouvelle. On continuera de procéder ainsi. Alors là, petite aussi astuce déco, non, c'est pas une astuce déco, mais le champ de Nether, il va être un petit peu entouré de tout ça, en fait, de toutes ces bêtises. Du coup, comment on va le décorer? Et pareil pour ça, comment on fait pour le décorer? Bah ça c'est très simple en fait. C'est pas si simple que ça, mais ça sera très simple du moins. On va éventuellement... Non, pas nécessairement, c'est pas utile. C'est quand même moche, tu me tires une flèche, tu tombes. T'es faible. On va éventuellement descendre un peu toutes ces planches d'acajou vers le bas avec un peu de relief pour faire différents troncs et beaucoup de verdure pour faire genre c'est la jungle, tout ça tout ça. Bon après on pourra pas tout faire jusqu'en haut parce que évidemment vous en doutez, ça risque d'être délicat pour dissimuler un truc aussi mastoc. Excusez-moi, je baille un petit peu. Mais cependant on fera un petit mélange de nether comme ça, de roche du nether avec un biome acajou. Évidemment ici pareil, ça sera changé au fur et à mesure. Alors là, vous m'excusez pour le lag FPS, mais évidemment, c'est parce qu'on est en train de combler une zone où c'est le vide absolu en dessous. Donc forcément, ça galère un petit peu. J'espère que vous comprenez. Voilà. Ici, il va falloir qu'on commence à donner un petit peu de relief, quelque chose comme ceci. Pas besoin de grand-chose au début, hein, c'est pas grand-chose de fou, mais voilà, il faudra commencer à donner peut-être un peu le relief de la chose. Éventuellement. Parce qu'ici, il faudra commencer à monter. Et encore monter une fois. Allez, bonhomme. Qu'est-ce que tu me fais, là? Eddie, t'es compliqué aujourd'hui. Ah, quand même. Voilà, bon. Ouais, ce sera quelque chose un peu comme ça dans cet esprit.
Évidemment, ça manque de déco pour le moment. Là, le seul bloc qu'on pose, les gens, alors rassurez-vous, c'est de la dirt avec de la grasse, mais je vous rassure amplement, il y aura plein d'autres blocs qui seront ajoutés pour décorer. Mais évidemment, là, faut bien poser les fondements à un moment ou à un autre. Donc, voilà, voilà. Alors là, je vais me dire qu'il faut que je me tape ça comme déco ici. C'est vrai que ça sera un peu chiant parce que du coup, on manque d'espace. Ou alors, il faudrait éventuellement faire quelque chose dans ce style-là. Regardez voir. Tac, tac. Déjà, si on ferme ça comme ça, ça fait déjà un peu plus genre par rapport à avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, là, on peut récupérer comme ça différents blocs qui pourront nous être utiles par la suite. Voilà. Alors, ensuite, toi, tu t'arrêtes tout de suite. Que se passe-t-il par là? Alors, ça, on le prend. Donc, 1, 2, 3. Voilà, comme ceci. Ça, on le casse. Avec ça aussi. Très bien. Maintenant, on dispose encore de quelques petits blocs. Quelque chose comme ça. Qu'on va agrandir. Alors attendez, donc on va s'acheter ce qu'il faut. Je suis en train... Merde, non, c'est pas ce que je voulais. Putain, fichier. J'ai pas de la terre stérile, moi je veux de la terre normale. En plus ça va coûter blinde, voilà, 50. Ah, je me suis fait arnaquer, zut. J'aime pas me faire arnaquer. Bon, du coup on en arrive là. Alors, ce petit blé, on va le casser parce que là, clairement, on va pas pouvoir en faire grand chose. Pareil pour cette zone d'eau. Tac, on va fermer. Si éventuellement ici, là, on pouvait avoir un peu du... du bloc comme avant, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, on va casser ces deux blocs d'herbe parce que là, pareil, ça va nous poser quelques problèmes. On va réaménager la zone, donc évidemment, faut tout plus ou moins casser. Enfin, dans mon optique, après, évidemment, on fonctionne pas tous pareil. Bon, alors, il nous faut une pelle déjà. Il nous faut une petite pelouse. Voilà. Bon, la terre stérile, ça m'a un peu saoulé que je vais carrément la jeter. Voilà. Pour la planète! Alors, déjà, faut que j'arrive à me rappeler où est le truc. Ok, il est par là. Bon, c'est parti, on est avant la musique. Donc, faut qu'on commence à creuser quelque chose un peu comme ça. Alors là, faut qu'on essaie de récupérer quand même un minimum les blocs qu'on casse, parce que sinon, on sera un petit peu embêté, dit, hein. Voilà, donc quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, lui, le petit Marlowe, là? Voilà. Alors, on va casser encore celui-là. Très bien. Ensuite, là, il y a des blocs en trop. Donc ça faut le casser, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ce qui est en trop ici on va le casser parce qu'on en a pas besoin. Ah si, celui-là peut-être, c'est bien ce qui me semblait. Je me disais bien qu'il y avait un petit problème, hein. Voilà, alors ok, d'accord, bon bah alors celui-là on en a pas besoin du moins. Et j'ai vu les blocs là, je me suis dit, ça m'étonne qu'on en ait pas besoin de cela. Alors ensuite, il nous faut de la bonne vieille roche des familles, parce que là on va tout redécorer les gens. Je vais parler de déco, on fait pas les choses à moitié. Donc il va nous falloir de la roche, éventuellement minerai de charbon et minerai de fer, éventuellement. Ça c'est de la déco qui sera basique. Il nous faut de la roche, douce de roche, avec du gravier, un peu plus de roche, parce que la roche pour moi c'est bien. Il nous faut peut-être, allez, quelques blocs de grâce, mais beaucoup de terre, il nous faut du terreau. Voilà, c'est bien, on est bien, je suis content. Bon, maintenant ensuite, donc ça on va le reprendre avec nous, pareil. Tout ça on le casse. On n'en a pas besoin, je vous le dis, c'est vrai, on n'en a pas besoin. Alors la roche. Bon attendez, donc déjà on va commencer à descendre un petit peu notre petite truc, parce que sinon ça va me perturber du fait que ça soit pas très joli. Alors bon, déjà, alors je vous le dis tout de suite, on commence à faire une pièce un petit peu fermée, carrée, quand on commence à créer notre petit projet, dans le sens où on va descendre comme ceci vers là, ok. Donc pareil, ça c'est notre base de projet, donc on va le poser comme ceci. Il faut qu'on arrive ici. Donc là, quand on descend dans notre projet, tac, on descend là comme ça, tac. Donc là, ça me paraît évident qu'ici t'as encore un bloc avec quelque chose comme ça, voilà. Alors ensuite, ça on le ferme parce qu'on n'a pas envie de voir toutes ces bêtises. Je ne veux pas qu'on voit des bêtises pareilles, donc on le ferme.
Ensuite, là par ici, on ferme ça comme ça. Voilà. Alors ensuite, étant donné qu'il faut quand même encore un peu descendre, on va descendre par là éventuellement. Parce que c'est vrai que c'est assez proche mine de rien, mais bon, c'est pas trop grave. On peut toujours éventuellement faire quelque chose. Bon, alors par contre là, voilà, j'aimerais bien que mon petit bonhomme... Alors là, on va faire un petit peu de relief intérieur. C'est-à-dire qu'on va pas fermer le carré comme ça, on va laisser ouvert. Voilà. On va mettre une petite torche intérieure histoire que vous puissiez voir un peu mieux. Alors là, faut faire 2 de haut avec 1. Ok, donc si en fait ça, on le ferme quand même. Parce qu'il n'y a pas trop le choix en fait. Et par contre, du coup, c'est vrai que là, les amis, le petit problème qui s'annonce. Enfin, pas réellement de problème, mais. Comme ça, tac tac, et là quand tu descends il manque presque rien, il manque un bloc là. Donc, du coup forcément déjà on va poser ce bloc, ça me paraît être une évidence. Voilà, il faut qu'on rachète d'abord, on va mettre que de la dirt les amis hein. Pour pouvoir se visualiser un petit peu la grotte, et après on remplacera les différents blocs une fois que le terraforming est fait. Ça me paraîtra un peu plus évident. Voilà. Là, je trouve qu'on est un peu proche quand même de la chose, non? Si on fait quelque chose comme ça. Alors peut-être que si après on agrandit un peu la grotte, peut-être éventuellement par là. Voilà. Avec quelque chose un peu comme ça peut-être. Voilà. Comme ça. Ensuite ici, ça sera notre fond de mur. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, donc ça on ferme. Oui. Éventuellement faire quelque chose comme ça. Ok. Bon, alors déjà là, je vais remplacer un petit peu quelques blocs qui me paraissent être évidents. Quelque chose comme ça. Ensuite, pareil pour celui-ci, pareil pour celui-là, pareil pour ça. Tac. Ensuite, donc là, on peut éventuellement proposer quelque chose comme ça. Alors ça, je pense qu'on peut le changer. Voilà. Ensuite, je pense que ça, on va pas le changer, mais ça, par contre, on va le casser un petit peu. Alors là, normalement, il n'y a pas de bloc, donc ça, c'est bien. Voilà. Donc on rachète encore de la dirt, on va réussir à faire quelque chose de propre, j'en suis sûr et certain. On va y arriver. Je suis très pensif, je parle pas beaucoup, mais bon, je pense qu'à force vous commencez à me connaître. Vous savez, quand je build, je ne parle pas beaucoup parce que je suis en pleine réflexion avec mon moi-même. Hein. Voilà. Et là, normalement, si on ferme tout, on monte tout, ça devrait être sympa. Là on devrait avoir quelque chose. Ok, très bien. Bon, là, c'est good. Donc là on a un début de chose. Par contre on va casser celui-ci. Voilà. Et de même pour celui-là. Voilà. Voilà. Alors ça, ensuite ça on remplace. Ça, normalement, ça on peut le casser et mettre de la roche, ça pose pas de soucis s'il y a de la roche par ici. Voilà, quelque chose comme ça. Alors ça, normalement, on peut aussi le casser et mettre de la terre à la place. Voilà. Alors là, peut-être éventuellement faire un peu plus de relief. Là, c'est quoi ce bois? Oui, ok, nickel, quelque chose comme ça. Éventuellement proposer quelque chose comme ça où on dissimule un peu plus
Le projet. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, là, on a du gravier. Donc, c'est là qu'il va rentrer en jeu. Alors, 1, 2. On pose une roche, un morceau de gravier et 3. Avec là, au sol, un seul éventuellement. Voilà. Donc là, on pose 2. Il y a un début d'idée. Je suis pas encore convaincu, mais attendons de voir. Voilà. Ensuite, là, on pose un bloc de roche. Là, en haut. Est-ce qu'on peut éventuellement poser un bloc de roche, genre ici, là, pour descendre? J'ai l'impression que ça peut se faire. Alors, là, on va remplacer quelques blocs, juste qui restent. Comme ceci, voilà. Et là, il me faudrait éventuellement remplacer. C'est ça ce qui me dérangeait. Voilà, je viens de le capter. J'étais un petit peu dans les vapes. Je comprenais pas trop ce qui me dérangeait derrière tout ça. Mais en fait, c'était tout simplement ce mur immonde qui était en boîte de sapin. Voilà. Comme ça, ça fera déjà un peu plus réaliste. Voilà, ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Bon, ensuite, on avait 1, 2, voilà, quelque chose comme ça. Mais bon, ça me convainc toujours pas. Je suis toujours pas convaincu. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des feuilles de sapin sur nous? Non, alors attendez, on va en chercher. On va prendre quelques feuilles de sapin qui normalement doivent traîner. Bon, alors c'est dans la salle des coffres. Voilà, on en a 10. Allez, on récupère ça. Alors, il y a aussi des champignons qu'on va éventuellement prendre. Voilà. Ça fait pas de mal. Ok, donc là, on descend. Alors, on va remplacer ça par un truc de sapin. Voilà. Ensuite, on peut éventuellement en mettre un autre là-dessus. Et est-ce qu'on peut en caser un dernier par ici, là, comme ça, une feuille qui vole éventuellement? Oui, on peut, voilà. Ensuite, 1, 2, comme ça, voilà. On a de la poudre d'eau, c'est génial. Ensuite, quelque chose comme ça, et un dernier par là. Alors, on va casser quelques trucs par contre. Genre ça c'était un peu trop je trouvais. Ensuite là, celui-là au centre est un peu de trop aussi. Par là il y en avait quelques-uns que j'aimais pas trop. Quelque chose comme ça. Voilà. Éventuellement remplacer ce bloc là par un bloc de gravier. Voilà, ça me plaît déjà un peu plus. Et les gens ça commence à prendre vie. Moi j'aime bien. Alors après ce qu'on peut éventuellement faire encore une fois c'est remplacer là un bloc rapide. Mettre une planche de sapin. Ouais, pourquoi pas, ça va être sympa comme ça. Voilà. Éventuellement faire quelque chose comme ça. Là, on avait dit qu'on a du minerai de fer et du minerai de charbon. Donc, alors, oui. On a pris des champignons aussi. Donc, 8 champignons. On peut en mettre un rouge là, par hasard. On peut éventuellement mettre un petit brin par ici. Voilà. Ou plutôt là, comme ça. Alors là ça brille trop malheureusement, il y a trop de lumière, c'est pas grave. Est-ce qu'on a une pioche? On n'a pas de pioche. Ça sera un peu long. Bon ça je le remplacerai en antenne alors. Et puis voilà, donc là du coup ça nous fait une petite déco, c'est pas ouf ouf. Mais bon c'est déjà mieux qu'avant dans le sens où maintenant voilà c'est... Il y a quelqu'un sur la trille qui a pas le fly, je ne pointerai personne du doigt, vous le découvrirez peut-être dans un prochain épisode, c'est pas sûr encore. Il peut accéder facilement à la récolte de cactus.
Et voili voilou. Et en plus en toute décorosité. Ça fait plaisir du coup, ça fait plaisir. Voilà voilà, bah écoutez les amis, en ce qui concerne ici, ben je me démerderai en hors antenne pour terminer ce petit concept de mettre que de la graisse partout. En attendant, voilà, vous savez quoi, je vais mettre un petit peu de trucs comme ça. Voilà. Parce que ça en vaut la peine. Vous verrez que ça sera bien décoré. Ça sera très joli. Avec des arbres et tout. Vous allez voir, il y aura une lourde déco. Une lourde déco. C'est prévu, c'est prévu. Enfin voilà, écoutez les amis, donc j'espère que ce petit épisode, vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mel, je vous fais la bise. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.